Sur son voilier, la solitude ne lui fait pas peur. À bord du Yellow, Dominique sort régulièrement seul en mer. Alors pour ce marin, pas question de négliger la sécurité. Bien évidemment, parce qu'il n'y a personne pour vous récupérer. Et si on doit attendre des secours extérieurs, ben, quelquefois la situation risque d'être un peu épique, donc il faut être organisé, réfléchir. Pourtant, la plupart des plaisanciers méconnaissent les consignes et les manœuvres de sécurité à effectuer en cas de danger. Pour pallier cette déficience, à Dunkerque, le centre régional de voile organise des séances de rattrapage. Homme à la mer ! Premier exercice, porter secours à un homme qui se noie. Au début, pas facile de coordonner l'équipage. Ouais, tu vas empanner. C'est à moi que vous parlez. Là, on est en plein cœur de la manœuvre. C'est pas l'idéal. Une situation qui pousse chaque plaisancier à se remettre en question. Là, on touche à des manœuvres concrètement. Et on est dans une situation réelle. Et on s'aperçoit que finalement, c'est pas si simple que ça. Quelles sont les procédures d'urgence à suivre en cas de difficulté? Comment se sortir de situations critiques? L'ignorance de ces questions de sécurité nécessite souvent l'intervention des secours. On a des grosses périodes mortes, notamment l'hiver, quand personne sort. Et puis, d'un coup, en week-end, on peut être déclenché 6 fois pour un bateau qui s'est pris des rochers et qui n'a pas su rentrer dans le port, un bateau qui est échoué, un bateau qui a une panne moteur. Chaque année, la Société nationale de sauvetage en mer intervient de 20 à 40 fois sur Dunkerque.